Faire part aux investisseurs des prochaines grandes actions à mener par la société Prévosal. C'est à cet exercice que s'est adonné l'équipe du programme d'élevage des volailles Prévost mardi 27 décembre 2022. Une occasion pour la direction générale de Prévosal de présenter les nouveaux contenus du programme qui se concentre sur la construction d'une chambre froide à court terme. Tout ce qu'on a reçu pour la première partie du financement pour faire l'élevage, je pense que nous avons rapidement même tombé. Puisque l'élevage, c'est des risques, il faut bien se préparer. Donc, nous avons prévu la construction d'une chambre froide d'abord pour faire la commercialisation des produits surgelés, que ce soit des volailles, que ce soit des poissons. Avec l'équipe en place, nous avons réfléchi. Nous avons dit qu'il faut commencer d'abord par la commercialisation des produits, que ce soit des volailles ou bien des poissons. Et là, nous aurons déjà des revenus, des clients. Et puis par la suite, nous allons agrandir notre ferme, construire une ferme sur 5 hectares. Les ruptures ou les manques de ces produits dans les points de vente sont entre autres les raisons qui poussent Prévosal à opter pour les chambres froides. Malgré la quantité que les gens importent, nous avons toujours besoin de volailles. Vous allez constater que avant d'importer un produit, ça doit faire des mois sur l'océan avant de venir. Quand il y a des chambres froides, lorsqu'ils importent par exemple 5 conteneurs, 6 conteneurs de produits, déjà en 1 mois, 2 mois, c'est fini. Et vous devez encore chercher dans d'autres chambres froides. Il faut attendre une autre marchandise avant d'avoir ces produits-là. Maintenant, la différence entre les produits de Prévost et les produits importés, là, il faut noter que les produits qu'on importe, si vous voyez la façon dont ces produits sont élevés, sincèrement, vous n'allez même pas vouloir les consommer. Donc, il faut des élevages intensifs, plus de 10 000 sujets, c'est 4 000 sujets dans un poulailler. Et ces poulets-là sont élevés, sont maltraités. Même il y a des bactéries, des maladies auxquelles ces poulets sont exposés. Alors qu'ici, on élève une quantité, c'est-à-dire inférieure, par exemple dans 1000 m², on élève jusqu'à 200, 300 poulets. Nos volailles sont réellement suivies. On ne fait pas l'élevage comme on le veut, mais c'est des volailles bien traitées. Même si toutes ces idées sont à l'étape de projet, les investisseurs les louent et croient en ces jeunes qui entreprennent et contribuent au développement de la nation. C'est un programme très ambitieux que j'applaudis beaucoup. Tout ce qui est présenté, les ambitions, la construction de chambres froides, les fermes qui sont en train d'être mises en place, les lieux de vente, tout ça. En tout cas, tout le programme, c'est des choses que je vois qui sont réalisables. Réalisables et c'est du concret. Je félicite et je prie pour que Prévost puisse arriver à atteindre ses objectifs. Mais moi, je crois, déjà avec le parcours juste là, j'ai confiance et je sais que ça ira. Ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est louable. C'est vraiment bien. C'est encourageant de voir des jeunes se rassembler pour sortir de telles pensées parce que c'est un projet vraiment qui a de l'avenir. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est le fait qu'il ait souligné la différence entre les produits importés et les produits qu'on pourra envoyer sur place. C'est vrai que plusieurs personnes importent, mais il y a toujours un vide. Et j'ai constaté qu'eux, ils ont réfléchi pour venir combler ce vide. Et ce qui est encore bien dedans, c'est les poulets qui ont été élevés sur place, qui seront abattus sur place et qui n'auront pas des conservateurs. Cette rencontre est une première depuis la levée de fonds sur un site de financement participatif. La séance a permis aux investisseurs de poser d'autres questions d'éclaircissement. La vision de Prévosal est de devenir l'une des principales marques d'entreprise, d'élevage et de transformation de la viande en Afrique.